confirmer, c'est pas la peine pour l'excuse à l'état de réserve. Non, non, mais c'est <rire> c'est tout. C'est très important pour une commune rurale comme la nôtre d'avoir une brigade de gendarmerie. Parce qu'ils participent aussi à l'éducation locale, ils mettent leurs enfants dans les écoles. C'est nous, gendarmes. Donc, c'est très important. Là, c'est le temps de construction de la gendarmerie. D'accueil des gens qui se mènent au commissariat. Ça va bien ? Qu'est-ce que vous avez comme personne qui vient vous voir ? Beaucoup de personnes de la ville et puis avec des problèmes divers et variés. Qui viennent déposer plainte ? Qui viennent déposer plainte. Vous avez beaucoup de violences conjugales ? Un petit peu. Oui. Et dans ces cas-là, vous pouvez prendre la plainte directement ? Moi personnellement. Non. Ah, pas vous, mais non, vous le passez à quelqu'un. Suivant la personne, je leur montre la. Après, je vais l'orienter. Ça va bien ? Comment allez-vous ? Oui, ça va. Bon courage à vous, vraiment les difficultés qu'il y a eu à Sens, que la CRS a été très nombreuse présente à Sens, la CRS numéro 8, qui vient renforcer considérablement les effectifs d'un commissariat qu'il faut effectivement. On verra ces augmentations d'effectifs très importantes au premier semestre. Il n'aura pas échappé qu'on est au 16e jour du mois de janvier de ce semestre aussi. Et qu'il faut d'abord recruter, former et puis évidemment mettre des policiers ensuite dans les commissariats. Donc la promesse de l'État sera tenue, comme partout sur le territoire national. On voit des effectifs d'augmentation partout sur le territoire national. Sans doute qu'à Sens comme ailleurs, parce que c'est désormais une délinquance qui vient toucher une commune qui apparaissait tranquille et qui est désormais une grande banlieue parisienne. Besoin d'appui particulier. C'est pour ça que la CRS est à la disposition évidemment des effectifs de Sens et c'est pour ça qu'effectivement l'augmentation d'effectifs aura lieu. Monsieur le ministre, vous êtes dans le Jura. Une question du maire de Dole qui demande à quand un nouveau commissariat et à quand le retour de la BAC. Alors, maire de Dole a mon numéro de téléphone portable, il peut m'appeler quand il le souhaite. Il vient de signer un contrat de sécurité intérieure avec monsieur le préfet. Il y a une augmentation d'effectifs à Dole. Et je ferai partout sur le territoire national les augmentations d'effectifs et lorsqu'on le pourra, évidemment, recréer les effectifs qui ont été d'ailleurs largement supprimés les années précédentes. Si on ne les avait pas supprimés, je n'aurais pas besoin de les recréer. Merci beaucoup. Merci.